Bonsoir. Au sommaire de ce JT, trois membres d'une association lyonnaise portés disparus au Yémen. L'ONG Triangle Génération Humanitaire est toujours sans nouvelles. L'OL, qualifié pour la Ligue des Champions, les Lyonnais terminent à la troisième place du classement après leur victoire face à Monaco. Et puis un kilomètre de bande dessinée déroulé sur les berges du Rhône. Une centaine d'élèves de l'école Nicole viennent d'entrer dans le livre des records. L'inquiétude grandit donc au sein de l'association Triangle Génération Humanitaire. Depuis trois jours, l'ONG lyonnaise est sans nouvelles de trois de ses membres. Ils ont disparu dans le sud-est du Yémen alors qu'ils partaient déjeuner. Si tout laisse à penser à un enlèvement, aucune revendication n'a pour l'heure été formulée. Les précisions de Benoît d'Autriche. À Lyon, on attend sans nouvelles de trois de ces humanitaires depuis samedi. L'ONG Triangle n'a aucune piste. Ces trois Français, travailleurs expérimentés, étaient en place depuis mars dernier dans le sud du pays. Samedi, à midi, ils ont disparu sans laisser de traces. En fait, ils ont quitté le bureau dans lequel ils travaillent à Seyoun pour rejoindre leur maison d'habitation, dans laquelle ils allaient déjeuner probablement. Et on a perdu leurs traces à partir de là. On est évidemment en contact avec notre chef de mission sur place, avec l'ambassade de France, avec le Quai d'Orsay à Paris. Selon le Quai d'Orsay, justement, l'enlèvement devient de plus en plus crédible au fil des jours. La tension qui règne au Yémen, avec notamment ces manifestations contre le pouvoir en place, peut peut-être expliquer l'enlèvement. Mais là encore, aucune certitude. Même s'il y a des manifestations en ce moment, parce que le Yémen est en ébullition, tout le monde le sait, c'est une région qui était plutôt relativement calme de ce point de vue-là. C'est vrai que c'est une zone dans laquelle il y a eu pas mal d'enlèvements de touristes ces dernières années, notamment des touristes enlevés par des tribus qui réclamaient la libération d'un prisonnier, la construction d'une route ou des choses comme ça. Nous, on est présents, encore une fois, sur cette zone depuis 1999. C'est un terrain qu'on connaît bien. On était parfaitement acceptés, intégrés par les Yéménites avec lesquels on travaille. On se sentait pas du tout en insécurité. Ce soir, l'ONG Triangle n'a toujours pas décidé si elle rapatriait tous ses salariés du Yémen. Sur place, les autorités affirment maintenant qu'elles recherchent activement les trois Français. Un hypermarché de Sainte-Foy-lès-Lyon a été victime d'un braquage hier matin. Cela s'est passé autour de 9h. Un homme armé et cagoulé a forcé une caissière à lui délivrer le contenu du coffre-fort. D'après les premiers éléments de l'enquête, le butin serait peu important. Toujours en fuite, le braqueur ainsi que son complice sont activement recherchés par la sûreté départementale. 15 jours seulement après le suicide d'un homme d'une quarantaine d'années à la maison d'arrêt de Corba, c'est une femme cette fois qui a tenté de mettre fin à ses jours. En attente de son procès depuis un an, dans une affaire d'assassinat, elle s'est pendue samedi à un câble électrique. Dans un état grave, elle a été transférée à Lyon Sud. Cela porte à 6 le nombre de suicides enregistrés à la maison de Corba depuis son ouverture en mai 2009. Toutes ces mesures qui concernent la politique de prévention du suicide en milieu carcéral ne sont que des mesures qui visent à empêcher à tout prix la personne détenue de passer à l'acte, mais à aucun moment on ne réfléchit sur les causes du malaise de ces personnes, sur cette violence, encore une fois, je le répète, qui est générée par l'institution carcérale pour les uns et pour les autres. Et je pense qu'il est important de mener cette réflexion. Nouveau procès et nouvelle défaite pour la SACVEL. Le tribunal administratif vient en effet de débouter le bailleur social de sa demande d'augmentation de loyer. 17 familles du 3e et 4e arrondissement étaient concernées. En avril dernier, une décision similaire avait été rendue dans une affaire concernant des locataires de Vénissieux. Ces derniers voient donc leur bail renouvelé aux mêmes conditions et aux mêmes tarifs. Quant à la SACVEL, elle a été condamnée à payer 250 € d'amende. L'OL décroche son billet pour la Ligue des Champions, une qualification obtenue hier soir lors de la toute dernière journée de Ligue 1. Les Lyonnais ont battu l'AS Monaco 2-0, une victoire qui sauve une saison chaotique. Émilie Deschamps, Brice Jerès. Un ouf de soulagement pour l'OL qui a joué sa saison hier à Monaco. En s'imposant 2-0 par Diakité et Lissandro, Lyon condamne Monaco à la descente et assure sa troisième place, synonyme de tour préliminaire de Ligue des Champions. Mais à l'issue d'une année éprouvante, la troisième consécutive sans titre, l'euphorie n'avait pas sa place dans les rangs lyonnais. On est content parce qu'on a fait le boulot, mais je dirais la saison était longue. Et on a assuré le strict minimum, je dirais, pour un club comme l'Olympique lyonnais. On aurait pu et on aurait dû faire mieux. Et voilà, on est obligé à la fin de contenter, je dirais, de minimum. Vu les conditions, c'est bien encore une fois de terminer sur cette note, même si au départ... On avait des ambitions, bien sûr, qui étaient supérieures.
Lyon termine troisième avec 4 points d'avance sur le PSG qui concède le nul à Saint-Etienne. Et pour la 4e fois de son histoire, l'OL disputera les barrages de la Ligue des Champions. Une bonne nouvelle financière pour le club. Jean-Michel Aulas a rencontré les joueurs dans la matinée avant que ceux-ci ne partent en vacances et commencent à penser au mercato. Et s'il ne souhaite toujours rien dire à propos d'un changement d'entraîneur qui semble inéluctable, le président devrait annoncer des décisions dans les prochaines semaines. Il faudra certainement redéfinir une stratégie qui soit compatible avec les moyens du bord, c'est-à-dire une équipe qui n'a pas su gagner le titre cette année. La reprise de l'entraînement est déjà programmée le 30 juin pour les joueurs. Le match aller du tour préliminaire de la Ligue des Champions se jouera quant à lui les 16 ou 17 août prochains. Et puis toujours au registre des départs à l'OL, selon le site info M Lyon, l'entraîneur des attaquants Sonny Anderson serait en partance pour entraîner le Neuchâtel Xamax en Suisse. Contacté par nos soins, le club se refuse à confirmer ce départ et évoque uniquement des contacts. Il se faisait plutôt discret ces derniers mois, surtout depuis sa lourde défaite aux élections régionales. Azouz Begag revient sur le devant de la scène littéraire. L'auteur du fameux Gaune du Chaba et récemment du Mouton dans la baignoire sort un essai politique intitulé « C'est quand il y en a beaucoup », paraphrasant ainsi les propos de l'ancien ministre de l'Intérieur Brice Hortefeux. Un livre dans lequel il dénonce l'instrumentalisation de l'immigration. Ce dont j'ai envie, c'est d'éviter que ça pète de partout. Dans un an, il y a une élection importante, dans un an, l'élection présidentielle. Et je sais que quelques-uns ne vont pas hésiter à allumer le feu entre les communautés. Je crois que malheureusement, on est en plein commerce de la peur. C'est ce que ce livre veut éviter, avec l'histoire, avec la sociologie, avec la douceur, en essayant d'être pédagogique et non pas belliqueux. Record battu, les élèves de l'école Émile Cole ont relevé leur défi, celui de réaliser une bande dessinée d'1 kilomètre et ce en seulement 24 heures. Ils entrent donc dans le Guinness Book des records. Retour sur cette aventure avec Céline Cléry. Dessiné pour marquer l'histoire. 111 dessinateurs ont réalisé un comic strip de 1000 cases pour créer une histoire scénarisée et humoristique longue d'1 kilomètre. Objectif de l'opération, rentrer dans le Guinness Book des records. Qui n'a jamais rêvé de faire partie d'un record du monde. Je pense que là, c'est une fierté personnelle, ça c'est sûr. C'est déjà sur mon CV, en tant que tentative. J'espère ce soir le changer en tant que record réussi. Ensuite, une fierté pour l'école. Chaque étudiant a dû dessiner 9 cases différentes de l'histoire en moins de 6 heures. En tout, il aura fallu 800 kilos de papier et 250 feutres pour réaliser ce pari fou. Les étudiants ont été aidés par 11 scénaristes lyonnais pour créer le storyboard. Une expérience enrichissante pour ces professionnels de la BD. C'est vraiment l'essence même de la BD, c'est-à-dire qu'il y a quelques personnes qui sont professionnelles, il y a des profs, il y a des scénaristes, tout ça, mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de bénévolat qui est fait autour de ça, et c'est ça qui est vraiment bien dans la BD, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment d'ego, chacun met un petit peu son côté, ce qu'il sait faire, ça fait des trucs hyper grands, où il y a plein de gens qui viennent, où il y a des gamins, où il y a... Et en fait, la BD, c'est exactement ça. Cet événement marque l'ouverture du Festival Off de la BD de Lyon, qui débutera le 18 juin prochain. Une fois le record battu, les étudiants espèrent faire éditer leur bande dessinée. En basket, le scénario se répète pour l'ASVEL. Comme lors des quarts de finale, les Villeurbanais se sont inclinés en match aller des play-offs samedi soir. Résultat 109 à 93 face à Nancy. Tout va donc se jouer encore une fois à l'Astrobal. La Green Team doit impérativement l'emporter si elle souhaite disputer la finale. Le match retour est prévu ce mercredi à 20h30. Et c'est la fin de ce JT. Merci de nous avoir suivis. Très bonne soirée sur TLM.